Bonjour, je voulais vous faire une vidéo sur la différence entre la dispute et le conflit entre frères et sœurs. Il y a une grande différence et souvent les parents ne font pas la différence eux-mêmes quand ils ont des problématiques eux d'adultes. Donc c'est important de clarifier les choses. Quand on a un conflit, c'est qu'on n'a pas le même point de vue, qu'on n'a pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins. Et le conflit est intéressant et enrichissant. Et notamment, montrer à vos enfants quand vous êtes en conflit avec le coparent, avec quelqu'un, les amis, vos parents, qu'on peut ne pas être du même avis et quand même s'aimer et quand même s'entendre. Et chacun fait un pas vers l'autre et on trouve un terrain d'entente. La différence avec la dispute c'est autre chose, c'est pas un conflit en fait. Une dispute entre frères et sœurs, alors la liste est longue, je vais pas vous faire toute la liste, mais c'est un moyen d'attirer l'attention des parents, c'est un moyen de se venger, c'est un enfant qui s'ennuie et donc il va embêter son frère ou sa sœur, c'est un moyen d'expression d'un autre besoin, mais de façon encore une fois très tragique. Donc la dispute, la liste est vraiment très très longue, mais n'a rien à voir avec le conflit. Donc en tant que parent, déjà prenez 5 minutes pour réfléchir vous quand il y a un problème, la différence entre dispute et conflit en vous-même. Et comme ça, quand vos enfants vont avoir soit des disputes, soit des conflits, essayez, quand c'est une dispute, d'aplanir pour qu'il ne reste que le conflit. Et là, le conflit... Apprenez à vos enfants à gérer le conflit en prenant tranquillement chacun sa position. Alors, moi, j'aime bien dessiner un 6 sur un papier et mettre le 6 entre les enfants ou les adultes, hein, quand je fais des formations, et demander à chacun qu'est-ce que vous voyez. Bon, y en a un, il voit un 6, il y en a un, il voit un 9, il y en a un, il voit un escargot, il y en a un, il voit en fonction de l'endroit où on est. Et on a tous raison. Donc, un conflit, c'est on a tous un point de vue, on l'exprime et après on trouve un terrain d'entente. Une dispute, c'est vraiment on cherche à attirer quelque chose. On cherche autre chose que le 6 ou le 9, ça n'a rien à voir. Voilà, donc décortiquez bien, vous allez voir, c'est passionnant. Amusez-vous bien.